Salut à tous les amis, c'est McFly86, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les jeux du passé. Alors, comme vous pouvez vous en douter un petit peu avec le nom du jeu, c'est GoldenEye Agent 007 sur Nintendo 64. Un de mes tout premiers jeux auxquels j'ai joué sur Nintendo 64, j'ai gagné la 64 avec ce jeu. Donc en même temps je passe un petit coucou à mon père parce que tout simplement lui le jeu vidéo c'est pas un son truc, mais monsieur a quand même fini le jeu, il a fait toutes les missions dans toutes les difficultés, il a torché le jeu et clairement il est meilleur que nous. Sauf quand on joue en multijoueur avec lui, là par contre il est et d'autres joueurs c'est quand même plus dur que l'ordinateur, ouais, parce que l'ordinateur est vraiment bon. Au passage, deux petites choses. Alors, tout d'abord un grand merci, je suis à 66 abonnés, j'en reviens toujours pas, franchement vous êtes super, continuez comme ça. Deuxième chose, j'ai remarqué que le stream d'Deep avait bien marché, la saison va continuer mais malheureusement c'est parti, choix de la mission. Donc là c'est un peu bon, ça c'est l'émulateur qui fait ça, qui nous propose tout ça. Sauf que quand on a le jeu sur 64, on commence on accède. En fait il faut finir la mission, la réussir pour pouvoir débloquer la suivante et ainsi de suite. Voilà. Sauf que arrivé un bout d'un moment, alors il me semble que c'est celle qui est là. Celle-là, les deux autres se développent pas. Pourquoi? Mais tout simplement, parce qu'il faut faire toutes les autres à la difficulté d'agent 00. Alors, pour faire un petit retour, faut savoir que, par exemple, ici, voilà, pour débloquer les difficultés, il faut faire celle-là, la difficulté qu'on veut débloquer. Agent 00, on n'aura pas le choix de toute façon. Bref, pareil, donc au niveau jouabilité ça va être un peu chaud parce que 64 et moi là je suis avec une magnétique Xbox et il y en a deux donc je vais sûrement galérer un petit peu. Bref, faut savoir aussi que là par exemple la mission elle est très simple, il nous suffit juste de coller une espèce de truc sur une antenne parabole et sauter du barrage. Voilà. Alors que en difficile, pour rentrer dans les souterrains, il faut aller vous machiner des ordinateurs, on attend du temps. Sauter à la stick depuis la plateforme, même quand j'ai rien à faire. Ma mission c'est me barrer. Voilà. Tout simplement. Faut que je saute de la plateforme. Donc là, même si on a juste à sauter à l'élastique, je vais quand même vous montrer vite fait par exemple le petit truc à coller. Donc c'est la première mission. Vous voyez les lags qu'il y a, putain, c'est mon PC, hein. C'est pas l'émulateur. L'émulateur fonctionne très bien. Bon bah niveau graphique, hein, c'est pas... voilà, hein, c'est 64. Hein. Mais à l'époque, mine de rien, c'était pas mal. Donc nous voilà, on a une seule tronche, hein, mais bon, c'est bon, hein. Donc on recommence avec le PP17. Alors, je vais juste vous montrer un truc. L'intelligence suprême de l'ordinateur en facile. Voilà. Ah si, il m'a vu quand même. Si vous décalez vraiment un tout petit peu, il y a la moitié de votre corps qui dépasse. Le mec ne vous voit pas. C'est hyper logique.
Regardez, il me voit pas. Là, je sais pas. Et oh, Gaston. Ah, c'est lui. Ah, en fait, faut vraiment se foutre sous leur nez. Les autres vont prendre la ligne en vue, comme ça on n'utilisera pas le sniper. Ça, génial. Là, normalement, quand on se fait pas repérer, on prend les pistes. Et puis, bah, on se fait plaisir avec le sniper. Il est où ce con à me tirer dessus? Ok, tu tires à travers les murs. Ouais, bien sûr. Vachement logique. Bref, on s'en fout. Alors, bon, bah, système de visée classique, c'est un peu galère. Moi, avec les deux que je prenne, c'est pas fait que j'avance et je recule avec le premier. Mais pas de côté, bah c'est l'autre. Pour changer d'arme, c'est tout simple. Attends, sur la Xbox, sur la manette de 64 de tout. Je vais dire. Ah, on lui perd faire les mais il meurt. Là, on est en niveau. Ah, j'allais dire, putain, son pote il se fait tirer la tête, quoi. Il tombe sous son nez, il réagit pas. Non, mais lol. Hésitez pas dans les commentaires à dire ce qu'il y a. Oula! Il y en a un autre là? Ah, bah, excuse-moi, hein, je t'avais zappé. Y'a des petits gilets pare-balles. Oui, donc comme je disais, n'hésitez pas. D'accord. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît, si vous voulez que je vous montre les autres missions, ou une en particulier. Y a pas de soucis. Oui, dites-moi dans les commentaires, ça me fera plaisir. Et je vous montrerai bien sûr d'autres jeux. Alors il y aura jeux de YouTube. Je montrerai quand même un autre jeu 007 qui lui est sur le GameCube et qui franchement est un peu plus de bien. Parce que je connais un jeu par cœur. Et là il y a un petit filou pour aller déclencher l'alarme. C'est mieux de l'arrêter quand même, avant qu'il la déclenche. Après si vous voulez flipper, là où c'est bien. Ah oui, j'ai oublié ça. Ah, parce que d'habitude, en fait, le gars qui est là, je monte dans la tour là-haut où il y a le. Où on était tout à l'heure, où il y a le jugé par balle. Et de la tour avec le sniper, je lui éclate la tête. Comme ça, j'ai plus de suivi qui a l'arme. Mais tout est bien, ça, j'ai pas oublié. Donc là, si vous mettez dans la je sais que dans la difficulté 2 faut, ou 3. Je sais plus, en 007, enfin il y a une mission, on doit déjà trouver là. Alors là, il y a mon copain avec bébé. Voilà. Il est très con. Il se fait tirer dedans, il fait comme si de rien n'était. Il se relève. Bonjour. Ok, balle dans la gorge, tu meurs pas. C'est oui, d'accord. Ok, c'est bien. Voilà, avec bébé 44. Moi j'aime bien cette arme, elle est stylée, je trouve. Alors, un peu de mitraillette, là, c'est tout, hein, c'est pas beau. C'est ça la parabole, il faut coller un truc là-dessus. Et là, on a vu, attendez, je galère. On a vu en dessous, normalement il y a une grille. Moi je ne vois pas, je pense que c'est une moteur qui tourne un peu là, à ce niveau-là. Mais il y a une grille, en fait, là, on est sur le toit. Et on peut voir les petits bonhommes passer de temps en temps. Ah voilà, qu'est-ce que je disais. Donc on peut s'amuser à les flinguer, hein. Sauf que bah, le problème c'est qu'ils vont pas se gêner. Parce qu'ils sont à l'autre bout du barrage et ils vont pas se gêner pour déclencher l'arme. Alors ça c'est le menu, c'est notre montre. Ça permet de choisir en fait l'arme. Hop, je prends le modem. Et c'est parti, on l'a dans les mains, on vise, on jette,
hub moderne furtif, modem furtif installé. Et voilà, c'est fait. On va laisser peser le petit Cadena. Hop là, on y va encore. Ensuite, on arrive au barrage. Donc, dans chaque tour, il y a un gars. Chaque tour, il y a trois tours, dans chaque tour il y a un gars, et en dessous il y a les tunnels justement avec pas mal de monde. Et dans chaque tour il y a donc si bien sûr vous cherchez des jeux comme ça, et bien Ramstation, pour ceux qui ont une Xbox sans fil, il vous faut juste un câble avec un embout USB pour que ce soit l'ordinateur. C'est pas plutôt logique, comme plus. Et à l'autre bout, câble, l'embout de câble en micro SD. Câble de par contre, regardez le blaireau quoi. Le mec se fait tirer dessus. Non, il va pas déclencher l'alarme. Enfin bref, voilà. Donc ça va être tout pour cette petite vidéo. Je vous dis des grands merci encore une fois pour tous ceux qui ont rejoint, qui se sont abonnés, tout ça. Pour le fun, on fout un peu le bordel, histoire de vraiment tout le monde. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez plus de missions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien.